Ils sont attendus à 3 heures, n'est-ce pas, Jeanne? C'est ça, docteur, à 3 heures. Je ne croyais pas que vous y arriveriez. Pourquoi ça? J'ai dit à 3 heures. Tout s'est bien passé? Jusqu'ici, c'est parfait. Qu'avez-vous utilisé? Elle se nomme Yvette Rachou. Bon, son passé n'a plus aucun intérêt. Bien, la forme du visage est bonne, les yeux aussi. Elle a été d'accord, bien entendu. Bien entendu. Vous avez payé assez cher. Je ne peux pas me permettre d'erreur. Monsieur Calder? C'est moi. Oh, nous sommes prêts à entrer. Monsieur Calder, docteur. Stéman. Très heureux. Est-ce que mon associé peut rester? Oui, 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 bien sûr. Le résultat? Nous saurons au moment de retirer les bandages. Allez-y, docteur. Faites-le maintenant. Résultat, monsieur. C'est excellent. Bien joué, docteur. Mieux que je n'aurais espéré. Jason King. Qui veut acheter un feuilleton? Scénario Dennis Spooner. Réalisation Roy Ward Baker. Ici Carmel. Ah, bonjour Mel. Oui, oui, je me sens très bien. Ah, ils sont arrivés. Bon, le temps de prendre un crayon. Oui. Bon, j'écoute Mel, allons-y. 35,6. 30,3. 24,2. Ce sont les derniers chiffres, hein? Bien sûr. Oui, oui, Mel, on ne peut pas faire mieux. N'oubliez pas qu'on en est encore à la naissance du projet. Oh, c'est certain, il y a le côté spectaculaire, il faut y songer. C'est ça, oui, merci. Je vous prie de m'excuser, Jason. Richard, voulez-vous venir par ici? J'ai obtenu les codes de la semaine à venir. Bon. Où en étions-nous, hein? Ah oui, Jason, je crois que Marken ferait une série de télévision acceptable sur notre réseau, non? On peut faire tourner une idée comme ça sur 10-16 ans. Ah, Richard, venez. Vous m'excusez une seconde, Jason. Richard, portez ces chiffres sur le graphique, mettez-le à jour, merci. Bon. Vous m'avez seulement parlé du début, n'est-ce pas? Continuez. Est-ce que vous m'écoutez? Ah oui, oui, j'écoute, bien sûr. Nous allons... voyons. Continuez, Jason, je vous écoute. Ces producteurs internationaux. Et voyons, oui, je reprends donc. Alors, Frank Calder sort de la prison. On commence sur la tour. On descend sur la porte qui s'ouvre. Notre homme sort, tenant un sac en papier à la main.
Il se rend en Suisse rejoindre son associé Litchfield, un homme jeune, ayant l'air intelligent. Il voit la jeune femme et approuve le travail. De l'excellent matériel. Votre idée est excellente aussi. Et on reprendra votre vieux film, Le doigt de la main gauche. Ça ira très bien avec. Bon, vous souhaitez le générique, Jason? Ah oui, bien sûr. Bah, allez-y, je vous écoute. Vous ne croyez pas que ce serait mieux si vous lisiez le synopsis vous-même? Jason, lorsque je suis prêt à entreprendre une série, je crains toujours que l'enthousiasme altère le jugement. Et je préfère être guidé un peu, comprenez-vous? Chacun son goût. Pardon? Ah oui, je vois, je vois. Je me rends mieux compte de cette façon. Je cadre tout. Bon, alors Jason, le générique passé, dites la suite. Une fille sur un bateau, en bikini. Ah oui, ça j'aime beaucoup. Après ça, nous passons le générique, je pense, oui. Hein. Nous y mettrons le titre de l'épisode. Et votre nom. Et nous finirions la séquence dans un hôtel, où nous verrons Mark Kane, très grand, bâti en force, le genre séducteur d'aujourd'hui, souple et bien proportionné, donnant l'impression d'être un athlète. Les cheveux noirs et longs, la peau bronzée et une moustache. Je ne vois pas encore qui jouera son rôle à la télévision. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, rien. Continuez, Jason, continuez. Et pourtant, il y a un détail. Pourquoi montrer Mark Kane? Pourquoi? Mais oui, pourquoi? Puisqu'il s'agit du héros, il faut le montrer, non? Ça semble être la moindre des choses, vous ne croyez pas? Oui, je comprends votre idée, Jason, mais... un de nous doit penser télévision. Nous devons pousser sur les histoires. Oui, mais les motivations, le caractère du scénario. Oh, qui se soucie de motivation? Il y a moi. Oh, je sais, dans un roman, là, c'est autre chose. Mais à la télévision, j'ai toutes les autres stations à suivre, moi. Et au moindre faux pas, la cote d'écoute descend. Il faut que Marc rencontre les autres personnages. Ou est-ce inutile? Il faut les rencontrer, mais ça se fera un peu en dehors du champ. Croyez-moi, Jason, j'ai de l'expérience dans ce métier. Et il semble en fait que... votre monsieur Mark Kane pourrait... peut-être... pourrait quoi? Eh bien, comprenez mon idée, Jason. En fait, dans les séries télévisées, on aime que le héros soit plus ou moins, disons, un être ordinaire. Et pas trop... enfin... pas exceptionnel. Soyons francs, Jason, hein? À la télévision, les héros n'ont jamais de très très longues moustaches. C'est très démodé. Il aura l'air d'un cow-boy, votre héros. Ah, d'accord. C'est ça. Bon. Où est le méchant là-dedans? Le méchant? Je ne vais pas tout dévoiler dès le début de l'histoire, ce serait idiot. Croyez-moi, Jason, je connais le métier. Qui sont les protagonistes? Je comptais le faire apparaître, bien entendu, mais plus tard, sur un yacht à Monte Carlo. Jason, ça c'est bon. Mais tout ça, c'est du temps perdu. Il faut tout de suite de l'action. Mais comment Marc vient-il là? Oh, en deux mots, vous faites savoir qu'il est en croisière. Il y a une fille aussi, pour le sex-appeal. Alors déshabillez-la. Continuez, j'écoute. À quel hôtel êtes-vous descendu, Marc? Je suis au Colombien. Oh, pourquoi ne pas rester à notre bord? J'y suis très bien. Je viendrai avant que vous ne leviez l'ancre. Pour la croisière. Nous devons partir après-demain. Avez-vous quelque chose de prévu pour ce soir? Rien encore. Avez-vous une suggestion? Bien entendu. C'est bon, ça, Jason, c'est bon. Vous êtes un joueur très adroit, je dois le reconnaître, mon cher. Adroit et très chanceux. La chance n'est qu'une théorie de charmante permutation. Ah, mais c'est la seule chose qui compte, la chance. Moi, je joue plutôt bien, mais je perds toujours. Seulement aux tables, Umberto. Merci. Michel. Michel André. Je vous croyais morte. Je vous déçois. Désolé. Mais qu'y a-t-il, Michel? C'est moi, Umberto Bellini. Et nous nous connaissons? Mais oui, bien sûr. Eh bien, qu'y a-t-il, chérie? Je n'en sais rien. Ce monsieur dit qu'il croit me connaître. Oh, je suis sûr de la connaître. Et il m'a appelé Michel. Michel André. Va donc m'attendre dans la voiture. Mais voyons... Je t'en prie, Catherine. Je vais lui parler. Je m'excuse, monsieur... Bellini, Umberto Bellini. Monsieur Mark Kane. Colin Weldon. Monsieur Bellini, il semble que vous ayez vu ma fiancée déjà. Est-ce que cela remonte à 2 ans? C'est exact, à 2 ans, oui. Et elle ne vous a pas reconnu.
Et même si elle est cette Michelle, elle ne vous reconnaîtra pas. J'ai rencontré ma fiancée Catherine dans un hôpital en Angleterre. Catherine souffre d'une perte de mémoire totale, monsieur. Elle n'a aucun souvenir de ce qui a pu se passer dans la période de ces deux dernières années. Alors écoutez, pourrions-nous en parler un autre jour, monsieur Bellini? Je n'aime pas la laisser seule. Et... Certainement, monsieur Weldon. Venez sur mon bateau, c'est la salamandre. Venez demain. Bien sûr, je viendrai, entendu. Il semble avoir marché à fond. J'en étais sûr, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a dit, au juste? Qu'est-ce qu'il a dit? Peu de choses. Il nous a invités sur son bateau, comme je l'ai dit. Et rien d'autre? Non, rien d'autre. Qu'est-ce que tu attendais? Je crois qu'il était avec un autre homme, non? Oui. Autant que je sache, il l'a appelé Mark Kane. Allô? Le commandant Rousseau. Non, non, c'est personnel. Mark Kane. D'accord. Allô, Henri? Bien, oui, bien. Et toi? Je suis toujours au Columbia. Eh oui, pourquoi aller ailleurs? Je voulais des renseignements sur une certaine Michelle André, qui devrait être décédée en Angleterre il y a 2 ans déjà. Non, je n'en sais pas plus, hélas. Est-ce que tu crois pouvoir te renseigner sur elle? C'était une amie de Umberto Bellini. Si ça peut aider. Bien. J'aime beaucoup tout ça, Jason. Et que se passe-t-il ensuite? Nous allons les retrouver le lendemain avec Umberto sur le yacht, la Salamandre. Alors, on m'a appris qu'il y avait eu un incendie. Je ne me souvenais de rien quand je me suis réveillée à l'hôpital. Et c'est à ce moment que j'ai en fait commencé à revivre. Et c'est là aussi que j'ai rencontré Colin. Et depuis, nous ne sommes plus quittés. Mais vous avez vu des médecins? Oh oui, bien entendu. Des spécialistes dans toute l'Europe. Que vous ont-ils dit? Que Catherine n'a rien. Et qu'elle est en excellente santé. Médicalement, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne recouvre pas la mémoire. Mais je ne me souviens de rien, rien du tout. J'ai tout essayé et j'essaie encore tous les jours. Nous gardons l'espoir qu'un de ces jours, il y aura un incident ou une situation, une personne qui provoquera le déclic. Avez-vous tenté de savoir qui vous étiez exactement il y a 2 ans? Oh, elle a essayé. Oui, bien sûr. D'ailleurs, ça ne semble pas être d'une grande importance. Est-ce que ce nom, Michelle André, n'a pas de signification pour vous? Non, aucune. Ou alors peut-être... Oui? Oh, je ne sais plus. Je commence à me leurrer un peu avec ce qu'on me dit. Je crois quelquefois me rappeler des choses que j'ai connues. Mais vous, parlez-moi de Michelle, monsieur Bellini. Oh, je l'ai connue, oui, mais j'en sais peu sur son passé. Ce que je sais date de l'époque où nous étions ensemble. Sur ce bateau? Oui, Michelle et moi, nous avons fait des croisières sur ce bateau. En Grèce? Pourquoi dites-vous ça? En Grèce? Je n'en sais rien. Cette idée, ça m'est venue, c'est tout. Très souvent, les gens vont en Grèce. Cette fois, vous faites erreur. Nous ne sommes pas allés en Grèce. Marc. Bonjour. Bonjour. J'ai eu envie de monter à bord, ça ne vous ennuie pas? Est-ce que vous êtes là depuis longtemps? Non, je viens d'arriver. J'ai manqué une bonne histoire. Bellini a envoyé Gérard jusqu'en Angleterre ce matin. Ah. Donc, il veut avoir des détails. Ça peut aussi vouloir dire qu'il a des doutes. Ah, bien sûr qu'il a des doutes. Mais il acceptera Michel quand Gérard va revenir. Alors, bonjour. Que vous désirez? J'ai pensé à votre fiancé hier soir et un docteur de mes amis. Peut-être le connaissez-vous, Vanderbilt. Non, je ne le connais pas. Je peux dans ce cas vous le recommander. C'est le meilleur dans ce domaine. Oh, je m'excuse, monsieur Kane, mais elle s'est endormie il y a 1 heure. Oh, j'espère qu'elle n'a rien. Revenez une autre fois, voulez-vous? Bien sûr. Je vous laisse l'adresse. Je suis sûr qu'il vous sera des plus utiles. Allez le voir. Merci. Voulez-vous sortir, monsieur? Comprenez-vous la situation? Non, bien sûr, voyons. Attention à celui-là. Je suis sûr qu'il voulait la rencontrer, mais seul. Tu crois qu'il est avec Bellini? Non. Il y a une somme très importante en jeu. Ce gars-là est peut-être très intéressé. Il ne sait rien du tout.
Alors on ne tente rien contre lui, c'est ce que tu veux dire? Inutile d'attirer l'attention sur nous. Puis-je dire un mot au Calder? Surtout ne prononcez pas de nom. Je m'excuse. Si je l'évite, cela va sûrement le rendre plus soupçonneux. Nous allons penser à ça. Je crois que ce serait bien de le rencontrer. Ce que vous croyez m'est indifférent. Dites donc, Calder, dans cette affaire, j'ai mon mot à dire. C'est un avertissement. Ne prononcez plus mon nom. Et gardez votre opinion pour vous. On vous a payé, alors la ferme. Pendant ce temps-là, l'envoyé de Bellini est en Angleterre. Un nom gravé sur une pierre tombale, ce nom, Michel André. Oui. Bien joué. Je crois que c'est excellent. Mais croyez-le ou non, il y en a plus encore. Oh, j'en suis sûr et je vous écoute, Jason. Continuez. Et je crois que ce serait le bon instant pour une publicité, non? Sans doute. Oui, sans doute, oui, vous avez raison, Jason. Je vois très bien la pierre sur la tombe, avec le nom Michel André. Et là-dessus, hop, fondu. On revient sur un hôtel, et puis sur la chambre de Marc. Nous le voyons consultant des papiers, avec le commandant Rousseau. Et qui est ce Rousseau? Rousseau? C'est l'ami de Mark Kane. Oh, ça y est, j'y suis, oui, ça y est, oui. Continuez. J'ignorais qu'Umberto ait un passé aussi mouvementé que ça. Oh, on ne saurait prouver tout ça, bien sûr, mais on en est presque certain. Ce qui m'intéresse, c'est la fille. Elle a été l'amie de Bellini. Et elle a fini un jour par le quitter pour un certain Johnny Segal, qui presque immédiatement a été arrêté en Angleterre pour vol à main armée. Il est décédé l'an dernier, pendant son séjour en prison. Qu'a fait Umberto lorsque Michel est parti? Oh, on ne le sait pas de façon certaine, bien sûr. Mais apparemment, il l'a fait rechercher dès le moment où elle l'a quitté. Il espérait, je pense, la persuader de revenir lorsque la maison où elle résida a été brûlée. Et c'est là qu'elle est morte. Elle était tout à fait méconnaissable, d'après les comptes rendus. On l'a enterrée en Angleterre. Umberto a joué avec les allumettes. C'est aussi ce que j'ai imaginé. Je ne peux pas en avoir la certitude. Mais pourquoi es-tu sûr que c'est une imposture, Marc? Mon instinct. Un menteur invétéré devine encore mieux les autres menteurs, peut-être. J'étais avec Umberto lorsqu'il a rencontré Michel. Son fiancé était avec elle. Il s'appelle Weldon, Colin Weldon. Umberto dit la reconnaître, mais elle dit avoir perdu la mémoire. Et qu'en penses-tu? Ça semble trop beau pour être vrai. Alors qu'espères-tu d'en trouver? Il est curieux que Weldon n'ait pas cherché plus loin. Je pense qu'en de telles circonstances, j'aimerais savoir si ma fiancée était mariée. Cela me paraît être la moindre des choses. Sans doute, moi aussi. En tout cas, moi, je le ferai. Il n'est pas très curieux. C'est peut-être qu'il sait déjà. Alors, Michel ne serait pas ce que Bellini pense qu'elle est, hein? Bien, Jason, bien. Ça, c'est excellent. De la dentelle. Et je vois la signification de la scène. Ah, j'aimerais entendre ça. Voulez-vous me relire tout ça clairement? Comment ça? Non, excusez-moi, excusez-moi. Bon, il y a une foule de choses importantes. Et je ne voudrais pas manquer un détail. Manquer un détail? C'est translucide au point d'en être confus. Et c'est ce que j'ai dit. Il faut qu'on répète que Bellini va être escroqué, que la fille n'est pas Michel, et aussi que Mark Kane a des soupçons. Et puis bien sûr que l'affaire de la maison brûlée 2 ans plus tôt que c'était en Angleterre. Et qui est ce Johnny Segal, mort en prison? Nul plus que moi n'approuve la simplification, mais à force de simplifier, on risque de créer surtout la confusion et des scènes trop statiques. Tout va s'éclaircir en progressant. Jason, vous le savez, je le sais aussi, mais l'intelligence n'est pas partagée par tous. Le téléspectateur a besoin de points de repère. On peut tourner les scènes en double. Jason, vous ne comprenez pas dans quel esprit je vous fais ces suggestions. Ce Mark Kane doit être un peu différent. Oh, il le sera. Notre réseau s'efforce de donner le choix à son public. Oui, j'ai remarqué. Passons sur la Riviera. Alors, le corps dans le cercueil, ce ne serait pas celui de Michel? C'était une femme, bien sûr. Mais de près de 40 ans, à ce qu'on m'a dit. Il y avait des différences. Il aurait fallu ouvrir la tombe. Supposons que Michel ait survécu à l'incendie. Dans ce cas, cette autre femme a été enterrée sous un faux nom. Et la femme qui est ici, ce serait Michel. Oui, cela semble être une possibilité. Voyons. Qui donc aurait intérêt à risquer beaucoup d'ennuis pour inventer un coup de ce genre? Et surtout, pourquoi? Et si la mémoire lui revenait? Mais elle nous a quittés une fois, rappelle-toi, hein? Elle peut nous quitter encore. Donc, pour ne pas avoir de surprises désagréables, ce serait peut-être bon qu'elle ait un petit accident.
Sur son bateau, il serait temps de lui rendre visite. Très bien. Vous attendez ici qu'on revienne. Est-ce que ce sera long? Pas long, non. Ça ira très vite. Attendez ici et ne parlez à personne. Monsieur Kane? Ne craignez rien, ils sont partis vers le yacht. Que voulez-vous? Je voudrais discuter. J'ai besoin qu'on m'aide. Et je crois que vous en avez besoin aussi. Sans doute. Vous avez peut-être raison. Quand ce sera terminé, ils vont me tuer, j'en suis certaine. Voulez-vous vous expliquer? Oh, je n'ai rien à vous dire, monsieur. Ils vont sans doute revenir. Alors je vous verrai ailleurs. Ils vont sortir dans la journée. Je serai dans ma chambre environ vers 2 heures. Qui sont-ils? Je ne connais que leur nom. Il y a Lichfield, mon fiancé, et Calder, Frank Calder. C'est l'homme qui était dans la chambre et qui fumait le cigare? Oui, il était passé à côté, mais je vous en supplie, allez-vous-en. Nous nous verrons tout à l'heure. Merci. Eh bien, mais c'est une merveilleuse nouvelle, une merveilleuse nouvelle. Le docteur dit qu'elle a toutes les chances de guérir rapidement. Une complète et totale guérison. Et je suis venu vous en remercier, monsieur. Oh, pourquoi? Vous savez ce qu'avaient dit les médecins? Qu'une personne serait peut-être un jour le déclic. Mm-hmm. Eh bien, il semble bien que ce soit vous qui fassiez office de déclic. Ainsi donc, d'après vous, votre fiancé serait Michel André. C'est ça. J'en suis persuadé, cher monsieur Bellini.
Michel. 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 C'est moi, Marc. Ça va aller, ça va gaz en cristaux dans les selles de bain. L'enquête aurait conclu qu'elle s'était endormie dans son bain. Ouais. Ouais, je sens très bien la séquence. Je vois beaucoup de musique, très peu de dialogue. Et l'on passe net à... Oh, un détail pourtant me gêne. Lequel? On n'a pas vu de bagarre encore. De bagarre? Marc, attention! Ouais. Oh, je suis navré, je me suis laissé emporter. Non, Jason, ça n'est rien. Alors, ça n'est rien. Ah oui. Alors, ça, c'est de la télévision. Et ça, ça les intéresse. Et vite, la suite. Eh bien, Marc téléphone au commandant Rousseau. Et pour faire arrêter les nommés Litchfield et Calder. Eh oui. Ensuite. Vous vous sentez bien? Eh oui, oui, allez. Bon, voyons. Voilà que j'ai perdu la page. Ah oui, j'y suis. Nous en étions au cimetière. Oh, une seconde, Jason. Attendez, attendez. Marken se trouve donc en France. Alors comment peut-il bien être au cimetière? C'est une brillante idée de votre conseiller en scénario. Il dit qu'en TV, les gens adorent changer de décor. Les détails importent peu. Oh, c'est exact. On peut toujours le refaire. Oh, j'ai mieux encore. Une idée géniale. Vous allez voir. Dans notre cimetière, hein, vous le voyez, à la place de Marken, nous mettons son assistant. Son quoi? Son assistant. Marken n'a pas d'assistant. Bon, il n'en a pas jusqu'ici dans vos bouquins. Mais on peut lui en procurer un pour me rendre service. D'ailleurs, j'ignore encore qui va faire Ken. Ah oui, je voulais vous dire un mot. En tout cas, quel qu'il soit, il lui faudra des vacances. Ce genre de série est très fatigante pour le grand rôle, Jason. Alors pourquoi ne pas la faire avec des marionnettes ou alors en dessin animé? Ah oui, c'est une idée. Ce serait économique et sans doute plus facile aussi. Mais sérieusement, Jason, réfléchissez un peu à cette idée. Ça peut apporter du nouveau, non? Gros plan sur l'assistant au cimetière, l'assistant de Marken. Ah, je crois que j'ai une meilleure idée. Pour suivre la tendance actuelle. Si votre seul souci est de présenter des silhouettes, inutile de faire un texte. Oh, bon, bon, d'accord. Nous verrons ça plus tard, Jason. Allez, dites-moi le reste. Et tout à l'heure, Richard. Là, je commence à embrouiller tout. Non, continuez, Jason, continuez. Faites comme si je n'étais pas là. Marquin est avec le commandant Rousseau. J'ai fait arrêter Litchfield et Calder. Mais je ne peux pas les garder. Tu n'as donc pas de dossier? Pas en France, non.
Garde-les tant que tu pourras. Ce sera peut-être difficile, Mark. Surtout que le conseil de Grande-Bretagne les réclame. Que devient la fille? L'hôpital la garde encore un peu en observation, 24 heures. Mais ça a l'air d'aller. Henri, j'aimerais que la presse parle de cet incident. Tu veux que la presse parle de ça? Oui. Qu'on dise que la fille s'en est sortie. Ils vont peut-être tenter quelque chose, s'ils savent lire. On dirait que ton entreprise n'a pas été couronnée de succès, Gérard. Je sais. J'ai fait ce qu'il fallait, pourtant. Oh, je ne te blâme pas, mon garçon. Qui pouvait savoir que ce McCain viendrait, qu'il rendrait visite à la fille de façon si inopportune? C'est la malchance. Ça ne fait rien. Je crois que j'aimerais assez faire une rectification rapide. J'aurais cru avoir quelques visiteurs aujourd'hui. Qu'est-il donc, Marc? On s'est attaqué à Michel André dans la journée. Nous devons prendre des précautions. Ah, bien sûr. Comment va-t-elle? Aussi bien qu'on peut l'espérer. Qu'avez-vous à rapporter? Je suis allé au cimetière. Il semble que la tombe que j'ai vue ait été ouverte. Ah oui? Deux fois. Curieux. Si on y songe, ça se comprend. Oui, une fois pour enlever les restes de la vraie Michel André. Et puis ensuite? On ouvre encore la tombe, ce qui permet de découvrir l'autre personne, celle qu'on a mise là, à la place de Michel. En espérant faire croire que ce n'est pas Michel qui est décédé. Oui, c'est ça. Le genre de combinaison qui va plaire sûrement à notre ami très cher, Umberto Bellini. En êtes-vous certain? Oui. On a tenté à séjour dans l'après-midi. Mais c'est terrible. Le choc semble lui avoir rendu la mémoire. C'est dans la preuve qu'elle est Michel André. Oui. Pourrais-je la voir? Sans difficulté, je crois. Elle est en observation pour quelques heures encore. C'est pour lui éviter les chocs. Oui, c'est logique. Oui, bien sûr, je comprends ça. Merci de m'en avoir parlé, Marc. C'est la moindre des choses. Bon, alors à demain. Oui, oui, à demain, oui. Bonne nuit, Umberto. Surtout pas de soucis. Je retrouverai le chemin. Vous le croyez, dites-moi. Le contraire serait difficile, je n'ai guère le choix. Nous allons vers la Grèce sans perdre de temps. Bellini va prendre l'avion ce soir pour Athènes. Il va à Prokofion. C'est un tout petit village, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale. Est-ce que tu veux que la police les retienne? Oh, il y a toujours moyen de chicaner sur un passeport. Ce n'est rien du tout, ça, tu sais. Je sais. Merci. Mais ils ne les garderont pas tellement longtemps. Et je vais être obligé de relâcher Litchfield et Calder. Et tu me laisses assez de temps pour être à Prokofion avant eux. Continuez, Jason. Et fondu. Fondu. Alors, où sommes-nous? Et en Grèce. Mais dites donc, Jason. Quoi encore? Eh bien, je ne veux pas avoir l'air de critiquer. Mais on se déplace beaucoup. On va, on vient à travers l'Europe. Mais on a parlé de la Grèce depuis le début de l'histoire. Oh, les gens n'auront pas fait attention. Auriez-vous décidé de faire de l'obstruction systématique? Oh, allons, Jason, je fais quelques observations, c'est tout pour me rendre utile. Vos observations sont tellement pertinentes que j'étais déjà préparé à accepter ça comme je l'ai fait de votre consommation de pilules de différentes tailles que vous ingurgitez à des heures réglées à l'avance et comme ces graphiques que vous mettez à jour sans arrêt. Mais si par hasard vous ou votre bruyante pendule à sonnerie stridente m'interrompez encore une seule fois, je laisse tomber Mark Kane et sa série et je flanque un coup de pied dans le téléviseur. J'espère que c'est clair. Nous sommes avec Mark Kane. C'est mieux. Il est à table avec Michel André. Un jeune grec entre dans l'établissement. Il s'appelle Andreos. Cet homme vous a reconnu. Commandez à boire, je vais revenir. Ah,
Ne vous souciez pas de l'heure qu'il est, puisque vous n'allez nulle part. Une fille n'est plus là? Dites-moi. Je n'en sais rien. Elle est sortie. J'ignore où elle est. Vous avez eu tort de la laisser seule. Effraristan. C'était bien? Bien, merci. Tiens, Marc, comme c'est aimable d'être venu. Donc, c'était bien Michel que j'ai rencontré. Apparemment, oui. Je dois dire qu'en la voyant, ça m'a fait un choc. J'ai d'abord pensé que c'était peut-être un coup monté par quelqu'un. Et vous avez changé d'air, hein? En fin de compte, oui. Un ou deux petits détails. Gérard est allé en Angleterre. Il est allé voir au cimetière. Et puis elle a parlé de la Grèce. Alors je me suis dit que... il n'y a que Michel qui puisse savoir ça. Alors vous avez décidé de la tuer. Puis-je prendre de la marmelade? Marmelade. Donc ça prouve que c'est bien Michel. Qui d'autre aurait pu parler de la Grèce, Umberto? Johnny Segal est décédé. Que savez-vous exactement sur Johnny Segal? Mais rien. Elle m'en a peut-être parlé. Vous savez où se cache Michel en ce moment? Je n'en sais rien. Je l'ai vu il y a quelques heures à Prokofion et je l'ai perdu. Dites donc, je peux savoir qui vous a parlé de ce village? Oh, c'est elle qui a dû m'en dire un mot, alors je suis venu. J'aurais cru que vous saviez parfaitement où elle se trouvait. Umberto Bellini est un escroc. Vous le saviez déjà avant, non? Et en fait, pour être plus précis, disons qu'il rachète les objets volés. C'est un receleur. En général, il se débarrasse de ce qu'il achète, mais pas tout à la fois. Les choses qui sont bien connues, les pièces de collection, il les garde. Et il doit les cacher quelque part. Alors, votre plan, en somme, se révèle très simple. Savoir où Umberto Bellini cache toutes ces choses. Quand avez-vous eu cette idée? Peu après que Johnny Segal claque. Il connaissait la cachette? Il disait qu'il la connaissait. Michel lui avait dit. J'en ai entendu pas mal sur elle. Alors, j'ai imaginé mon petit scénario. Moi? Ou une autre personne comme moi? Une doublure. Une parfaite doublure. Qui souffrirait un peu d'amnésie. L'absence de mémoire était la seule manière logique d'expliquer la disparition de cette Michel. Bellini allait paniquer, irait aussitôt vérifier sa cachette en Grèce. Nous, on l'a suivi jusqu'ici, voilà. On n'a plus qu'à attendre. Vous avez tout ce qu'il vous faut là-dedans. Vous n'avez pas besoin d'aide? Non, non, nous n'avons pas le temps. Où allons-nous? Attendez donc d'en avoir la surprise, hein? Nous reviendrons tard cette nuit. Ça y est, les voilà qui sortent. Ils sont équipés, on dirait. Approchons-nous encore un peu, mais sans nous montrer. Thank you.
n'est pas venu dans ce trou depuis des mois. Attendez. Descends jeter un coup d'œil. Excusez-moi, Jason. Je ne voudrais pas vous interrompre, mais il l'a tué. Et on n'a plus besoin de lui après. Ah, bon. Alors il faudrait que la fin de l'épisode soit, disons, plus spectaculaire. Voyons, on pourrait peut-être faire comme ça. Bien joué, Litchfield. Oui, bien joué, Litchfield. Venez par ici, Michel, à côté de moi. Allez-vous décrocher le téléphone? Ah oui. Allô? Oh, c'est pour vous, Jason. Pour moi? Qui peut bien savoir que je suis ici? Merci. Allô? Je n'en suis pas très sûr, et pas pour le moment. Il me serait difficile de vous le dire. Je vous rappellerai plus tard. Mais non, je vous en prie. Bon, merci encore, Jason, pour être venu me raconter votre film. Oh, ça n'est rien, monsieur Carmel. Ce fut, je crois, une bonne expérience pour nous deux. Au fond, je ne suis pas encore très sûr que votre chaîne soit prête pour Mark Kane. Jason, mais qu'est-ce que vous me racontez là? Je suis sérieux. Oh, allons, voyons, nous allons en parler encore et songer aux droits d'auteur. C'est exactement ce à quoi je viens de penser. Ce coup de fil venait d'une chaîne de télévision concurrente, c'était son président. Et pour tout vous dire, cher monsieur, on m'offre de faire une série de Mark Kane. Si je fais cette série, si j'accepte cette offre, votre code d'écoute fera ceci sur vos jolis graphiques. Mais Jason, que dois-je faire? Dites-moi. Eh bien, passez donc le générique et fondez.